bricole. Ce putain de micro, il... On est en onde. Bonjour, bienvenue à l'émission Je bricole, ici Gisèle Buy. Je reçois aujourd'hui une personne qui va nous montrer comment fabriquer sa propre maison. Bonjour mademoiselle Buy. Édouard Potelatiche, bonjour. Ça va bien, merci. Comment allez-vous? J'ai 42 ans. Et quel âge avez-vous? Vous avez qu'à les poser plus vite. Mais vous me laissez pas le temps de poser les questions là. Toi-même. Espèce de con. Alors d'abord, qu'est-ce qu'il faut pour fabriquer soi-même sa propre maison? Eh ben d'abord, il faut être un peu dérangé. Mm-hmm. Et alors, je dois vous dire, vous avez de très jolis yeux. Il faut regarder le caméraman justement. Vous avez de très jolis yeux. Merci. Alors vous avez apporté une photo de ce que vous avez déjà fabriqué. Ouais, on peut voir ici cette quéquette petite maison. Coquette petite maison. Ouais, c'est ça. Oui. Coquette. Ouais, et puis mon associé, pendant la construction, il a eu un petit accident de travail. Enfin, c'est pas vrai. Ouais. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a cloué sa coquette sur le mur. Comme c'est dommage. Est-ce que ça arrive souvent, ce type d'accident? Ouais, il arrive parfois que girafle mon doigt avec un clou. Et quelle sorte de clou? Un clou de girafe. D'accord. Et qu'est-ce que... Enfin, comment... Fais gaffe de pas poser une question trop vague, Gisèle. Qu'est-ce que l'univers? Et merde. On va à la pub. On va à la pub. Tous les jeudis à 11h, moi-même, Guy de la Rigaudie et mes invités, nous parlons de ski. Quelle sorte de ski choisir? Quelle sorte de bottes de ski choisir? Quelle sorte de con peut bien regarder une émission pareille? Toutes ces questions sans réponse le jeudi à 11h. Alors, on est de retour avec Édouard Potelatiche. Bonjour. Vous avez fait un bouquin dans lequel vous donnez quelques petits trucs... Ouais, enfin, c'est un livre où j'explique comment fabriquer un placard. Ça s'appelle « Je fabrique le placard ». Oui, et il y en a un autre. Oui, celui-là, il explique comment enseigner à quelqu'un à fabriquer un placard. Ça s'appelle « Tu fabriques le placard ». D'accord, il y en a un troisième. Oui, celui-là, il explique comment découvrir que votre femme a couché avec votre meilleur ami. Ça s'appelle « Qu'est-ce que tu fabriques dans le placard ». Vous avez également écrit des livres sur la plomberie. Ouais, c'est des bouquins pour initier les tout-petits, les jeunes. Oui. Problème de plomberie, ça s'appelle « J'ouvre le robinet ». Et il y a cet autre bouquin ici où vous enseignez la plongée sous-marine aux enfants. C'est ça. J'ai pas pu refermer le robinet, ça s'appelle.